Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une petite vidéo. Connaissez-vous cette ville? C'est un quartier dans Vedokor, juste à côté de Kourounou. Je vous fais découvrir ce quartier aujourd'hui pour que vous ayez une idée de ce qui se passe à Cotonou. Alors, suivez-moi. Le quartier est situé immédiatement derrière le château d'eau de Vedokor, carrefour Sika Toyota. Il y a quelques années, ce quartier avait mauvaise réputation. Le quartier est tout le temps trempé. En saison pluvieuse, c'est encore pire. C'est un quartier méconnu de nombreuses personnes à Cotonou. Il faut être visionnaire avant d'accepter d'investir dans de l'immobilier dans ce quartier. Aujourd'hui, le quartier entier est en train d'être pavé. Et le quartier change radicalement de visage. Ceux qui ne connaissaient pas ce quartier ne pourront pas comprendre à quel point je suis stupéfait. Le carrefour Sika Toyota accueillera bientôt un échangeur. Êtes-vous déjà au courant ou c'est moi qui vous l'apprends? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Pendant la construction de l'échangeur, le carrefour sera très certainement bloqué. Alors je pense que cette vie serait peut-être le raccourci proposé. Ce n'est qu'une supposition. Voilà pourquoi selon moi le quartier est en train d'être pavé. En termes d'infrastructure, il y a beaucoup d'efforts qui continuent d'être consentis pour assainir le cadre de vie des Béninois sur le territoire national, en général et en particulier à Cotonou. Cotonou est souvent exposé à l'inondation car la nappe phréatique est juste à quelques mètres de la surface de la terre. En saison pluvieuse, c'est le calvaire dans de nombreux quartiers de Cotonou. Ces infrastructures viennent donc à point nommé pour le soulagement des riverains. Don't leave me.
Nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci bien. Ciao, ciao.